Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais parler de ce fait. Pourquoi est-ce qu'on va danser sa vie? Pourquoi on ferait une chose pareille? Est-ce que ça ne paraît pas complètement bizarre ça? Parce que peut-être que toi tu danses pour te divertir, pour te sentir bien, pour faire du sport, pour être avec les autres. 36 000 raisons, n'est-ce pas? Et peut-être c'est pas la danse que tu pratiques, mais peut-être c'est du yoga et du, je sais pas, stretching, des arts martiaux, etc. Eh bien pour moi, danser sa vie, c'est comme si tu prenais une baguette magique et tu vas lancer cette baguette magique et tu vas transformer ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu danses ta vie et quand tu fais ça de la manière que moi, je le transmets? Tu vas mettre la musique, tu vas commencer à sentir des choses, mais tu vas utiliser le pouvoir de l'intention. Donc, le pouvoir de l'intention peut être la demande à l'univers, qu'est-ce que je dois voir que je ne peux pas encore voir? Est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur de moi ou dans mon passé ou dans le passé de ma lignée que je ne suis pas encore capable de voir? Quelle est la force que je dois construire à l'intérieur pour pouvoir affronter la vie et prendre les décisions que je dois prendre? Quelle est cette clarté dont j'ai besoin pour savoir quoi choisir? Et quand tu mets un pouvoir d'intention sur cette séance que tu vas passer, tu mets une musique et tu commences à travailler là-dessus. En fait, ton corps est cette baguette magique parce que ton corps, il te parle à longueur de journée. Et ton corps, c'est aussi la chose, l'être vivant, palpable, qui est directement et tout le temps en connexion avec ton âme, en connexion avec ce feu intérieur, en connexion avec cette lumière intérieure. Bon, maintenant, tu vas me dire, oui, mais Gudrun, chez moi, il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Eh bien, même ça, ton corps va te refléter. S'il y a trop de ombre, voilà, je vais utiliser le mot ombre, s'il y a trop d'ombre, eh bien, ton corps va refléter ça d'une manière ou d'une autre. Et peut-être est-il tombé malade. Eh bien, quand il tombe malade, selon la manière dont il tombe malade, l'endroit où il tombe malade, c'est un langage sacré à décoder, la symbolique du corps humain. Et donc, il te parle, il te dit, écoute, l'ombre, là où tu peux mettre la lumière, c'est à cet endroit-là, regarde-là. Et c'est un apprentissage, ça. Mais quand tu utilises ces éléments sacrés et ces éléments puissants, alors cette baguette magique que tu détiens, qui est juste présent avec toi tout le temps, pas besoin de la chercher à l'extérieur, elle est déjà là, et bien tu apprends à l'utiliser et à transformer ta vie à partir de ce que tu comprends, à partir de ce que tu entends, à partir de ce que tu sens. Et tu vas pouvoir devenir totalement vivante. Et quand tu deviens totalement vivante et présente à la vie, et c'est un processus, hein. Moi je ne dis pas que je suis arrivée à 100%, mais ma vie, elle a changé, mais je ne me reconnais pas. Quand je rencontre des gens que je n'ai plus rencontrés depuis quelque temps, ou quand je retourne à des endroits où je n'ai plus été depuis quelque temps, je me rends compte que je ne suis plus du tout la même personne. Et ça, c'est cette puissance de travailler de cette manière-là avec le mouvement. Donc maintenant, dans le mouvement, quand tu as fait avec moi peut-être les archétypes, tu as compris que c'est vraiment spécial comment je travaille. C'est pas exactement que de la danse libre, c'est vraiment guidé. On va y mettre des intentions, on va y mettre des énergies. À quelle énergie je me connecte? À quel archétype je me connecte? À quoi est-ce que je fais appel pour pouvoir me connecter à cette puissance, me connecter à cette énergie et commencer à l'incarner, commencer à sentir que c'est moi ça, c'est mon nouvelle identité. Et ainsi, grandir, grandir, se développer de l'intérieur, grandir. Et à ce moment-là, quand tu grandis et que tu as cette nouvelle fondation, cette nouvelle force, waouh! Là, tu changes ta vie. C'est toi qui changes ta vie. Cette baguette magique, tu la détiens et tu es cette fée dans le conte de fées. C'est vraiment ça. Il n'y a personne qui va faire ça à ta place. Pour moi, il y a vraiment, enfin, je suis totalement passionnée avec ça, il n'y a rien de plus joyeux et de plus puissant que de cette méthode-là, d'utiliser la danse.
parce que nous sommes femmes aussi. Tu peux aller dans la féminité, dans la légèreté, la dignité, la grâce. Tu peux exercer tellement de choses. Et donc, je t'invite à ce voyage. Je t'invite à faire ce voyage avec moi. Je t'accompagne pendant 3 mois. Tu as reçu un email de ma part aujourd'hui avec un lien pour aller sur une page où j'explique en long et en large le processus et ma manière de travailler. Et tu trouves aussi des témoignages que je vais d'ailleurs mettre dans le groupe parce qu'ils sont trop, donnent des frissons ces témoignages-là, pour que tu puisses comprendre ce qui est possible pour toi. Et ce que je te souhaite, c'est vraiment d'aller regarder, sentir, mets ta main sur ton cœur, va à l'intérieur et sens ce qui se passe. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que ça te parle de transformer de cette manière-là? Et à ce moment-là, bah, tu es absolument la bienvenue. Dans cette proposition, j'ai fait exprès de te donner deux possibilités. Une, c'est de venir au cours, faire le cours. Tu as accès au replay pendant une semaine. Donc, tu peux, si tu rates un cours ou si tu n'es pas disponible à cette heure-là, cette semaine-là, alors tu peux faire ça n'importe quand dans la semaine. Et l'autre version, eh bien, c'est carrément une immersion. Nous allons pas seulement, et ça vient des archétypes, on a trop adoré cette expérience de chaque jour se voir juste pour 20 minutes. C'était totalement magique. Moi, y inclus, j'avais jamais fait ça. Et je suis complètement tombée amoureuse de cette manière de faire. Même si parfois, j'avoue, hein, parfois je me dis, oh, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui je suis, oh, je sais pas, moi, aujourd'hui j'ai envie de rien. Et bien, le fait de danser de cette manière-là, ça m'a, waouh! Mon mari, un jour ici, a dit, t'es pas la même femme que tout à l'heure. Je dis, bah oui, c'est puissant, ça. Je devrais danser toute ma journée. Et donc, voilà. Cette immersion va te permettre de travailler vraiment de cette manière-là et d'avoir un accompagnement là-dedans. Pour ne pas chaque fois, ok, je danse, là, oh, je me sens bien, puis je tombe dans un trou. Et oui, je danse et je me sens bien, je tombe dans un trou. Ça a vraiment le fait, la capacité de te porter et de te laisser t'élever à ce niveau de vibration chaque jour. C'est absolument magnifique. Donc, moi, je t'invite à aller sincèrement regarder. Alors, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je fais cette vidéo ici aujourd'hui, je suis persuadée qu'à l'intérieur de toi, la réponse se trouve déjà. Et je me connais aussi, je sais comment je fais quand je dois investir, quand je veux investir. Ma tête se met en route, oui, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que j'aurai le temps, blablabla. Et le blabla, il grandit, ouais, au fur et à mesure que j'attends de prendre cette décision. Et donc, pour te sauver quelque part ou te, comment je vais dire, te donner la possibilité de vraiment te dire, ok, c'est urgent, je prends cette décision maintenant. Je t'ai mis un bonus d'action rapide. Ça, c'est la raison de ce bonus d'action rapide. Si tu te décides aujourd'hui, avant 3 heures, tu reçois en plus de ça, de t'inscrire à ce voyage ensemble de 3 mois, mon cours de danse orientale, initiation à la danse orientale. Et ça, c'est absolument précieux parce que les mouvements de la danse orientale sont des mouvements que j'utilise évidemment tout le temps. C'est le langage de mon corps que j'ai pratiqué pendant 30 ans. Donc, c'est le langage de mon corps qui vient naturellement parmi tous les autres. Et donc, ce cours de danse orientale, c'est 8 modules. Hein, c'est vraiment, il est magnifique. Tu le reçois entièrement en cadeau à partir du moment que tu te décides aujourd'hui avant 15 heures. Et maintenant, tu sais aussi pourquoi c'est là. Donc, oui, si tu veux ça, si c'est quelque chose que tu as envie de recevoir comme cadeau, c'est quand même une grande valeur. C'est un cours qui peut te prendre vraiment un cheminement de 2 mois en self-study. Eh bien, tu es la bienvenue de cliquer sur ce bouton pour nous rentrer dans notre sororité et faire ce voyage avec nous aujourd'hui avant 15 heures. Voilà, ben, j'espère que ça t'inspire ce que j'ai dit ici. Je ne peux que t'inviter à ce magnifique voyage qui était aussi le mien et qui a transformé la vie de tellement, tellement de femmes depuis des années. Je t'invite à cliquer sur ce bouton, regarder et surtout à écouter ton cœur et écouter ce que ton âme veut. Alors, si tu as l'impression de ne pas me connaître assez, si tu as cette impression, bah, tu n'as pas fait les Yule, tu n'as pas fait peut-être les archétypes,
tu as certainement fait le solstice ou bien alors le calendrier d'avant, sinon tu ne serais pas dans ce groupe ici. Donc retourne un peu, voir comment tu t'es senti à cet endroit, ça t'a fait du bien, pas du bien, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Connecte-toi à ça et tu vas trouver cette réponse. Moi, ce serait mon honneur de t'accompagner et je serais vraiment très heureuse de te trouver tout de suite à partir de demain pour notre premier cours. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique semaine, prends cette décision et rejoins-nous. Bonne journée.